Tu lui expliques que ta grand-mère venait de décéder, donc tu étais en couple, ton copain de l'époque rentre à la maison et en fait, tu lui apportes de l'attention, mais tu ne lui expliques pas ce qui t'arrive, tu ne lui dis pas que ta grand-mère est décédée, tu le mets de côté C'est ça. à son profit. Alors, pour défendre, entre guillemets, ce mec-là, lui, il détestait que je ne lui parle pas et que je me mette trop de côté pour lui. Et toujours, il me répétait, mais arrête, 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 toi aussi, t'es importante, etc. Mais c'est quelque chose que je fais inconsciemment. Et donc, le jour où j'ai appris donc, que ma grand-mère était sur le point de décéder, il est rentré, il a un très gros problème à la jambe, c'est un très grand sportif. Et donc pour lui, c'était vraiment un désarroi le plus total de ne pas pouvoir faire de sport. Et donc, sur le moment, j'y ai même pas pensé à lui dire. C'est-à-dire, c'est même pas moi qui me suis dit non, on lui dit pas. C'est genre, j'y ai même pas pensé. Il fallait juste que je m'occupe de lui à ce moment-là. Et par la suite, j'étais un petit peu mal dans mon coin. Et il me disait, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je disais, non, rien, 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 tout va bien. Et je lui ai dit, genre, 2, 3 jours après, il m'a dit, mais c'était complètement folle de pas me l'avoir dit. Enfin, c'est fou de faire ça. Et voilà, c'est moi, je suis comme ça. Enfin, plus, plus. Lucie, si tu me vois, je ne suis plus comme ça. Pourquoi Arthur? Pourquoi Arthur dans la villa? Pourquoi Arthur au début? Pourquoi poser autant ton regard sur lui? Pourquoi Arthur? Oui. C'est moi aussi je me pose la question pourquoi Arthur? Mais je vais me permettre de te raconter un petit peu les événements de ma vie avant pour que tu comprennes Avec pourquoi plaisir. Arthur. Donc comme je te disais, la personne pour qui j'ai déménagé au Segor, ça a été mon premier amour. Même si je suis sortie avec des garçons longtemps avant, je me suis rendu compte que la première personne que j'ai vraiment aimée, c'était cet homme-là. Et c'était un homme avec qui on vivait vraiment d'amour et d'eau fraîche. Avec qui les projets pro, l'argent ou les trucs comme ça ne rentraient pas dans le cadre. Alors, on était jeunes, mais lui, il ouvrait un restaurant, moi, je travaillais déjà, donc on avait une vie, voilà, on avait notre petite vie, mais le principal, c'est qu'on riait. On riait énormément et on s'aimait énormément. Et tout le reste ne comptait pas. Et puis par la suite, lorsque cette relation s'est terminée, je suis sortie avec un homme qui avait beaucoup d'argent. Et par hasard, enfin, vraiment par hasard, quand je suis sortie avec lui, je me suis toujours demandé pourquoi moi? Parce que cet homme-là, il sortait avec des mannequins, avec des machins, avec des trucs de fou. Et moi, bon, je fais 1m60, j'ai quelques kilos en trop. Bon, enfin, je suis Pardon, pas. Non, mais oui, mais. Oui, mais pardon. enfin, tu me compares à une mannequin d'1m80, Victoria's Secret, absolument gorgeous, Ah et t'as non, mais tu l'impression peux que pas c'est. dire que. Enfin, si, tu peux le dire parce que c'est ton corps, il Voilà. t'appartient, c'est ton image, c'est ta façon de le voir. Voilà. Excuse-moi, je mets 2 secondes, un petit time-out Pas de problème. dans ton histoire, mais t'es. J'en perds les mots, Merci, Rosanna! merci beaucoup. Non, mais merci. Mais voilà, non, mais je le dis pas pour ça. Hein. Vraiment, Mais je c'est sais que tu ne dis adorable. pas pour Merci ça! beaucoup. Mais voilà, dans l'idée, forcément, je suis une femme. N'importe qui sur Terre déjà se compare aux autres. Je suis une femme. Je sais qu'il est sorti avec des mannequins, des Miss Pologne, des machins, des trucs comme ça, etc. Donc, je me demandais vraiment pourquoi moi. Et pourquoi moi, pourquoi moi? Mais enfin, c'était moi quand même. Donc, ça a été une relation qui m'a beaucoup apporté, parce que c'était un garçon qui a été vraiment là pour moi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est lui qui m'a fait rentrer dans la villa. Lui m'a demandé, est-ce que tu as envie de faire la villa? Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas, j'adore cette émission, allez, go. Mais donc voilà, pour se dire, on est encore en contact, très bon contact, etc. Mais du coup, ce mec-là, forcément, m'a mis des objectifs, entre guillemets, de vie et de couple qui n'étaient pas les miens. J'ai jamais pensé qu'une femme ne devait pas payer. Et avec lui, il me disait, mais une femme ne paye pas. Donc j'ai pris des habitudes avec cet homme que je n'ai jamais eu. Et par la suite, lorsque j'ai rompu avec lui, je cherchais des hommes toujours à son niveau. Mais son niveau finalement financier, pas forcément son niveau financier que l'argent, mais le mode de vie, l'ambition, une manière de penser qui est quand même très stricte, très droite, mais qui moi finalement me rassurait à ce moment-là. Et je me suis perdue en cochant des cases à chaque fois que je faisais un date, tu vois. Alors lui, ok, il a un bon job. Ok, lui il est beau, ok, machin, ok, truc. Et je cochais des cases. Et donc je suis sortie avec des hommes qui cochaient toutes les cases, mais qui ne me rendaient pas heureuse. En tout cas, avec qui je m'emmerdais. Et donc j'arrive dans la villa, je dis à la prod, écoutez, c'est pour me ramener des prétendants qui n'ont pas de job ou qui sont promoteurs de boîtes de nuit. Faut pas me demander le monde. Je n'irai pas. Moi, les charros, les machins, j'en veux pas. Bah voilà,
Aujourd'hui, je suis amoureuse d'un charreau, promoteur de boîte de nuit, coach sportif à ses heures perdues et TikToker. Voilà. Voilà, on n'est pas sur le même plan. Hein. Je chante avec des businessmen. Voilà. Mais en fait, Arthur, je me rappelle le premier soir où j'arrive dans la villa. Il était troisième. Je suis arrivée en quatrième position. Et on est à côté et j'ai senti une énergie hyper rassurante et qui m'a vraiment... je me rappelle encore d'un regard qu'il a posé sur moi en me disant « ça va aller ». Parce que je stressais à fond et il me disait « ça va aller, ça va aller ». Mais je savais que c'était un charreau, je ne m'imaginais pas avoir une longue relation avec lui, mais je pensais qu'on allait être en tout cas de très bons amis. Ou « sex friend ». Mais en tout cas, je ne m'imaginais pas, je ne suis pas le genre de nana qui va dire « ah, c'est un charreau, je vais le changer ». Non, jamais de ma vie. Et en fait, au fur et à mesure, plus le temps passait, il faut savoir que dans la villa, le temps passe très lentement, plus le temps passait et plus je redécouvrais ce que j'avais vécu avec mon premier amour 4 ans auparavant, c'est-à-dire juste la simplicité, oui. De rire, de se parler, de pouvoir se faire confiance à 100%. Alors, je ne parle pas de la confiance tromperie et compagnie, on en reparlera, mais je parle de la confiance de pouvoir se livrer à quelqu'un sans se sentir jugé. Tu as raison, il y a différentes façons de voir la confiance. Voilà. Et c'est vrai qu'avec Arthur, ça a été... je vais dire la vérité, ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre. Donc quasi instantané. En fait. C'était même pas amoureux, mais tu sais, un coup de foudre humain. J'avais besoin, c'était mon binôme. J'ai eu toutes mes copines, Jeanne, Raya, Kitty, qui ont été mes binômes d'aventure, mais mon vrai binôme, c'était Arthur. Et au début, on se le disait, même si on cherchait, on chamaillait, on aimait bien, etc., on se disait toujours, on finira jamais ensemble, on le sait tous les deux. Et au final, bah, contre toute attente, aujourd'hui, nous sommes encore ensemble. C'est fou. C'est fou. C'est complètement fou. Bah quand on connaît maintenant ton histoire, ah mais c'est complètement je trouve ça assez dingue. C'est, pour moi, il coche aucune case. Voilà, c'est un mec qui ne coche aucune case. Et pourtant, ça faisait 4 ans que je n'avais pas été aussi heureuse avec quelqu'un. Mais alors oui, donc là, tu viens de nous faire une annonce. Ouais. Mais c'est vrai que depuis un petit moment sur tes réseaux sociaux, mais moi, je voyais que vous étiez quand même tout le temps ensemble, que vous dormiez ensemble. Enfin, je le comprenais, quoi. Oui, oui. Que tu étais souvent chez lui, que vous vous disiez, bon, bah allez, on va se dire bonne nuit. Tu vois, hein, c'est vrai. Outre les lives que vous puissiez faire ensemble, oui, etc. Oui, c'est ça. En fait, on a eu trop de mal à ne pas le dire. On avait trop de mal à ne pas être ensemble. Alors au début, on se cachait un petit peu plus. C'est-à-dire, on faisait croire qu'il rentrait chez lui, machin. Moi, je coupais le truc, etc. Le lendemain, plein de fois où il a fait genre « Oh les gars, je vais sonner chez Rosanna. » D'ailleurs, désolé à ceux à qui on a menti. Voilà, je vais sonner chez Rosanna. « Oh là là, Arthur est en bas, mais c'est complètement fou. » Non, ça fait une semaine qu'il est à la maison, les gars. Désolé. Désolé de vous avoir menti. Là, quand tu dis désolé, tu parles au public. Oui, je parle au public. Vraiment, désolé, les gars. Vraiment, j'ai pas été très sympa avec vous. Eh ben, t'avais pas le choix. Mais malheureusement, j'avais pas le choix. Et c'était notre manière à nous d'être ensemble, sans vous dire vraiment. Et puis, de satisfaire aussi, parce que je sais que notre communauté, Arthur et moi, parce qu'on a plus ou moins la même, c'est une communauté qui aime nous voir ensemble. Et qui vraiment a suivi notre histoire. Beaucoup de gens nous disent, nous, on regarde la villa vraiment que pour vous, etc. Donc, les rendez-vous des lives du soir avec Arthur et Rosanna, pour eux, c'est très important, etc. Et c'est vrai que quand on voit une communauté qui est autant derrière nous, on a du mal à leur mentir. Donc, on mentait, enfin, on disait rien. C'est, voilà, on ne mentait pas, mais on ne disait pas la vérité. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à se cacher. C'est évident, Rosanna, de construire les prémices de son couple en devant se cacher et en ayant participé à une émission de divertissement et en devenant populaire sur les réseaux sociaux à deux pendant qu'on construit son couple. Tu m'as suivi ? Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous faire du tort. Forcément, on reçoit beaucoup de... Moi, j'ai reçu beaucoup de messages. Oui, je ne sais pas si tu es en couple avec Arthur, mais il t'a trompé. Je ne sais pas si tu as vu ça, je ne sais pas si... En fait, au final, c'est juste des gens un peu mal intentionnés qui essayent juste, qui n'ont pas de preuves, qui n'ont rien, mais qui essayent de mettre le doute et aussi parfois de prêcher le faux pour avoir le vrai. Donc, est-ce que je vais leur dire « Ah, je suis en couple, merci de me l'avoir dit » ou voilà, donc il y a énormément de gens mal intentionnés. Après, il y a aussi les fois où on se dispute on se dispute, on est vraiment en grosse dispute et puis je vais sur Twitter ou sur les commentaires et les gens qui disent « Ouais, Arthur, il ne mérite vraiment pas Rosanna, etc. » De lire au quotidien quand on est en pleine dispute avec son mec, c'est dur de ne pas le prendre en considération.
et de se dire, ok, non, c'est juste des gens qui ne te connaissent pas, qui t'ont juste vu 45 minutes aujourd'hui à la télé. Il faut se réaligner. Ne les écoute pas, ne les écoute pas. Puis c'est des nanas de 15 ans, des nanas de 20 ans, même des nanas de 40 ans. Je ne vais pas écouter des gens que je ne connais pas sur ma relation actuelle. Mais bravo. C'est très compliqué. Parce que même si je pensais y être préparée, à la haine ou à l'amour des réseaux sociaux, en tout cas, à avoir une vie exposée, on ne sait jamais ce que c'est. C'est-à-dire que tu devais te dire, mais laisse tomber, mais moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai les épaules, j'ai les genoux, j'ai tout. Pour te dire, j'ai vêté mon premier haters avec mes copines. Moi, j'étais contente. Quand j'ai eu mon premier hater, je me suis dit, putain, c'est génial. Mais après, quand j'ai eu la foudre sur Twitter, j'ai commencé à dire, il y a un peu trop de verre, là, à aller boire. Donc, je préfère stopper un peu. Mais c'est, on pense y être préparé. On pense surtout, moi qui suis quelqu'un qui n'a pas... je m'en fiche des critiques, d'être critiquée, même si j'ai un gros problème avec le regard des gens, mais des gens que j'aime. Les gens en général, je m'en fiche un peu et puis j'aime bien en rire. Et d'ailleurs, ma commu Lyon, chaque fois qu'il y a un hater qui arrive dans le live ou un truc comme ça, j'aime bien leur répondre en rigolant. Mais parfois, le trop, c'est l'ennemi du bien, hein, comme je te disais. Et quand il y a trop de haine, d'un coup, ton cerveau commence à y croire, forcément. Tu le gaves d'informations mauvaises, donc forcément, tu sais plus comment faire, quoi. Donc, j'ai été... c'est très compliqué en couple, d'autant plus en couple, de gérer la haine et même l'amour, enfin, l'exposition en général. C'est très compliqué. Et est-ce que tu as su gérer une problématique comme celle d'Arthur ? Je collectionne les conquêtes. On est à plus de 500, 600 ? Oh, j'imagine. Enfin, c'est ce qu'il dit. J'ai pas compté. Moi, je préfère pas. Je préfère pas. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Et ça, moi, c'est quelque chose que je veux absolument prôner. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats de télé qui, malheureusement, en tout cas beaucoup de gens exposés qui aiment bien bannir justement des gens qui couchent à droite à gauche, on va dire comme il est. Moi, je veux vraiment dire tout le monde fait ce qu'il veut de son corps, que ce soit un mec, que ce soit une femme, voilà. Ou qui souhaite, je rebondis sur les candidats de télé-réalité, le discours qu'on entend depuis des années, ou qui souhaite avoir en tout cas un discours très je suis comme si, moi je fais attention, voilà. Moi j'en ai très peu. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et c'est souvent pas forcément la réalité, moi, comme j'ai si c'était entendu, tabou. Voilà, j'ai souvent entendu « Ah, t'as couché avec ton mec le premier soir, ah t'as... » C'est pas très grave finalement. Il y a des choses plus graves dans la vie, il y a des gens qui meurent. Si on se protège, voilà. Si on fait attention. Exactement, exactement. Le plaisir n'est pas tabou. Exactement. Moi, je prône, faites ce que vous voulez de votre corps tant que ça vous rend heureux. Le jour où ça ne vous rend plus consentant. Heureux, voilà, et que c'est consentant. Le reste, ça ne regarde personne. Donc, pour en revenir à Arthur et ses 600 conquêtes, qu'on juge un peu, mais bon, de loin. finalement, en fait, c'est. Arthur, par-dessus tout, c'est quelqu'un de très gentil et de très pudique, malgré ce qu'on peut croire. Et donc, il s'en est jamais vanté devant moi. C'est-à-dire qu'il m'a raconté des anecdotes et drôles, etc., machin, mais je n'ai jamais eu à être confrontée à son passé de charreau. Bien sûr, il y a eu ces histoires avec les prétendantes, avec les machins, les trucs, etc., parce que c'est du Arthur et que je pense qu'il y a aussi énormément de volonté de faire rire la galerie, plus que de draguer. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui essaye de s'en excuser auprès de moi. Alors que je ne lui en veux pas du tout, au contraire. Et tu ne lui demandes pas de s'excuser. Je ne lui demande pas, au contraire. Et pour moi, au final, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le passé forge la personne que tu es aujourd'hui. Donc, s'il n'avait pas eu ce passé-là, ça se trouve, ça n'aurait pas été la personne qu'il est. Et aujourd'hui, c'est la personne que j'aime. Donc, le résultat de son passé. Le résultat de son passé. Donc, très bien, monsieur, continue à coucher, il n'y a pas de problème. On t'adore comme tu es. Mais c'est vrai, je n'ai jamais été vraiment confrontée à ça. Alors, bien sûr, il y a toujours une part de moi, un petit pourcentage qui a peur. C'est humain. Mais finalement, est-ce que j'ai plus peur qu'avec mes ex ? Non. Non, parce que je lui fais vraiment confiance. Et je pense que c'est la base d'un couple. Et que ça sert à rien, si t'as pas confiance en la personne, de te mettre en couple. Donc j'ai réussi, malgré tout, à lui faire confiance. Elle ressemble à quoi, votre vie, aujourd'hui ? Notre vie, elle est hyper tranquille. Elle nous ressemble. Bourrée de rire, de joie, de bouffe aussi, parce qu'on adore manger. Lui, c'était un grand sportif et je lui ai fait perdre tous ses muscles. C'est pour ça qu'à mon avis, il va moins charoter à droite à gauche. Mais notre vie, elle est simple et elle est belle et elle est cool. On se dispute tout le temps, mais ça ne dure pas plus de 2 minutes. C'est quelqu'un de très généreux, que ce soit dans sa manière d'être, dans les cadeaux ou dans juste dans la parole, dans la confiance, comme je te disais. C'est quelqu'un à qui je peux me livrer vraiment, à qui
il connaît les moindres détails de ma vie, il ne me juge jamais. Tout le temps là en train d'essayer de me faire plaisir. Sa famille est absolument adorable. Ah, tu les as rencontrés ? Ouais, j'ai rencontré sa famille. Bah, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier épisode de la villa, on l'a regardé avec nos deux familles qui étaient dans la même pièce. Incroyable ! Incroyable, vraiment. Et c'était la première fois, moi, que je faisais ça. Et lui, pareil, du coup, bah, lui, pour le coup, oui. Et on a adoré. Et nos familles se sont hyper bien entendues. Et on a compris aussi d'où venait cette accroche qu'on a tous les deux, parce que finalement, on a une éducation assez similaire. Donc forcément, il y a des liens qui se sont créés de ce fait-là. Ça veut dire que vous vous êtes mieux compris aussi en découvrant vos familles respectives. Exactement, exactement. Et donc, ça ne vous a pas tant surpris que ça, en fait ? Bah non. Finalement, moi, quand j'ai vu sa mère, qui est absolument géniale, hyper fun, mais qui a un vrai rôle de maman. Ce n'est pas la maman copine, un peu border. Elle a un vrai rôle de maman comme la mienne, mais qui est très cool et qui est très aimante de ses enfants, qui a énormément donné pour ses enfants. Son père aussi, également. Ses parents ont beaucoup donné pour leurs enfants, ont beaucoup travaillé. Donc finalement, on a plus ou moins cette même complicité familiale et j'adore sa famille, il adore la mienne et on est très contents. Les valeurs d'une famille, l'éducation, la foi aussi qu'on peut avoir, exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans votre couple ? Bah, forcément, c'est quelque chose qui est important, je pense, même dans tous les couples en général, parce que ça finit toujours par revenir. Aujourd'hui, moi, j'ai été éduquée d'une manière et ça m'est arrivé d'être avec des hommes qui n'étaient pas du tout éduqués ou qui n'avaient pas forcément les mêmes attentes ou la même envie de vivre, etc. Alors au début, tout est beau, tout est rose, mais quand on commence à rentrer dans le concret, on commence à s'apercevoir des différences. Et c'est là où, en général, ça pose problème. Et c'est vrai que, bah, en tout cas, avec Arthur, pour le moment, ça ne s'est pas posé. Bien au contraire, ça n'a fait que valider notre envie d'être ensemble et notre envie de construire.